Section suivante, c'est la section référence. Je vais aller dans le salon des enseignants, dans le salon national des enseignants. Dans la section 7, qui se trouve être la section ressources pour faire de l'intégration d'éthique, où il y a une sous-section qui s'intitule pour vous aider à mieux modeler. On y retrouve donc le formulaire de demande de création de cours qu'on a vu au début de la rencontre, la liste des clés d'inscription des différents cours, la documentation francophone de Moodle, donc on la retrouve ici. Si vous avez des questions après notre rencontre, je vous invite à venir à cet endroit pour poser votre question. Donc déjà à l'intérieur de ce forum questions-réponses sur Moodle, on voit qu'il y a plusieurs enseignants qui ont déjà posté des questions. Alors vous aurez peut-être des réponses à cet endroit. Et si les réponses n'y sont pas, vous pouvez poster un nouveau message pour poser votre question. Puis là, la ressource que je voulais vous montrer, elle est juste en dessous du forum questions et réponses de Moodle. Désolé pour le déroulement rapide. C'est le guide visuel des outils Moodle. Ça se trouve être un tableau à double entrée en PDF que vous pouvez personnaliser si jamais vous voulez accompagner du monde chez vous, là, vous pourriez le personnaliser pour y mettre vos ressources à vous. Dans ce tableau à double entrée, on se trouve à avoir dans la ligne horizontale en haut ici l'intention de l'enseignant. Qu'est-ce qu'on veut faire? Dans la colonne en noir, on se trouve à avoir la liste des activités et ressources de Moodle. Et lorsque je fais l'intersection des deux, ça me dit est-ce que c'est pertinent d'utiliser cette activité pour cette intention pédagogique? Alors, par exemple, si je veux avoir ici, je veux interagir avec les élèves, avec ajouter un fichier, je vois ici que le carré est en noir, en rouge, pardon, ce qui m'indique que ce n'est pas approprié. Le rouge, en voulant dire, c'est pas une bonne combinaison. Je veux communiquer et interagir avec les élèves et je dépose un fichier, je n'aurai aucune interaction. Alors, quand c'est en vert, ça veut dire c'est fait pour ça et ça va bien. En orangé, un petit peu de twist, un petit peu d'astuce pour pouvoir y arriver. En rouge, à éviter. C'est des combinaisons qui ne sont pas gagnantes.